N'approchez pas, n'approchez pas. Le téléphone. Qui vous a chargé de nous dire? Nous vous écoutons. Oui. C'est le représentant de l'établissement. C'est le président du collectif Sully pour la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, c'est un immense privilège pour moi de prendre la parole au nom du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, monsieur Kouadio Kouadio-Berta Kakabé. Avec tout que je vous dois, s'il vous plaît, votre message il est venu pour être entendu. Et donc, on va faire le plan, la procédure va être comme on l'a prévu. Excellence. Excellence. Monsieur le représentant du patron de cet événement, monsieur Doro Kola, chers frères et sœurs de la diaspora, je suis aussi membre de la diaspora. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire, ça fait 3 ans maintenant. Je suis le président du collectif Sully pour la Côte d'Ivoire. Comme je le disais tantôt, c'est un immense privilège pour moi de prendre la parole au nom du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kouadio Kouadio-Berta Kakabé pour certains. Il aurait tellement voulu être à vos côtés aujourd'hui, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pu se libérer, il prie de bien vouloir. Je voudrais vous demander d'observer une minute de silence pour toutes ces victimes tombées en Côte d'Ivoire suite à des conflits politiques. On applaudit. Merci pour la minute de silence. Soyez rassurés de la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses victimes. Nous aspirons tous au bonheur, à la paix et à la sécurité. Mais est-il possible de prétendre à tout cela si les gens ne sont pas véritablement réconciliés? Je ne crois pas. Le football, facteur de cohésion sociale et de paix, surtout de réconciliation. Je voudrais dire merci au président Moussa Diarra Souba, initiateur de ce beau projet de rassemblement des fils et des filles de la Côte d'Ivoire ici en France. Nous espérons que l'édition sera reprise. Et nous comptons sur vous. Monsieur le ministre saisi
donc cette lucarne pour lancer un appel à la paix, à la réconciliation. Désarmons nos cœurs et pardonnons-nous. Notre beau pays se construit dans la diversité, dans l'unité et dans la fraternité solidaire. Nous devons tout faire pour conserver la cohésion.